Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du tricotage et en semi-automatique Prime Maxi. Donc c'est juste de la formation sur la machine. Cette machine est munie d'un bouton pour tricoter en circulaire ou à plat. Il y a aussi un mécanisme pour la tension du fil. Là c'est le guide fil. Donc voilà. Avec cette machine, nous pouvons tricoter en rond, donc des tubes pour faire des snoods et autres, ou à plat. Alors, pour tricoter à plat, on n'utilisera pas tous les crochets, sinon ça se rejoint avec un tube. Donc voilà, on peut vraiment tricoter beaucoup, beaucoup de laine en un temps vraiment réduit. Par contre, on ne peut pas choisir son point. Donc ça, c'est un point négatif pour la machine, parce que c'est toujours le même point. Et donc si vous voulez plutôt avoir le choix du point, vaut mieux tricoter avec l'aiguille. Donc voilà, cette machine, en fait, le principe, c'est que on peut tricoter des tubes, mais à plat, mais aussi à plat. Pour faire un projet réellement grand, si on peut dire, il va falloir assembler des bandes. Donc si vous voulez faire une écharpe, pas de souci, c'est juste une énorme bande. Si par contre vous voulez faire des pulls, des gilets, des petits t-shirts, des trucs pour enfants, et bien il faudra assembler plusieurs bandes. Donc il faudra tricoter des bandes que vous allez assembler ensuite à l'aiguille. Donc le principe de cette machine, c'est ça, c'est en fait plus de l'assemblage. Donc c'est pour vous tricoter rapidement et assembler par la suite. Donc voilà, j'espère que vous avez eu assez d'informations sur cette machine. Peut-être que ça vous a influencé dans l'achat ou non de cette machine. Donc voilà. Ma prochaine vidéo sera sûrement un snood. Je vous ferai voir comment commencer un snood, le faire et le terminer.